Oh,
I'm not afraid to
Hébreux chapitre 6, verset 1 et 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, ton Père céleste, Jésus-Christ, notre Dieu et ton nom. Tu es le seul et unique Sauveur, le seul et unique Dieu que nous adorons. Nous venons, Seigneur, devant toi pour nous abandonner, Père, entièrement entre tes saintes mains. Seigneur, maintenant que nous allons ouvrir, Seigneur, cette parole qui est l'éternité, Seigneur, Père bien-aimé. Et toi, tu n'es pas différent de ta parole. Ta parole, c'est toi-même, parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, tout ce que nous pouvons entendre, tout ce que nous pouvons prêcher, Seigneur, si cela ne provient pas de la parole, Seigneur, ce n'est que ça nous vend. Voilà pourquoi, Dieu Tout-Puissant, nous venons, Seigneur, avec révérence devant ta sainte présence, Père, te glorifier, Père, te dire
Merci pour tout ce que tu as fait, Père. Ainsi, Seigneur, nous avons la lecture de cette parole pendant tes saintes mains. Pendant que nous allons ouvrir au Dieu, nous te prions de nous donner le contexte, Père. Car les intellectuels peuvent aussi lire, Père, mais ils ne verront jamais ce qui est entre eux. Seigneur, montre-nous le blanc sur le blanc que tu as mis dans ta parole bénie. En tout, Seigneur, laisse la gloire et la louange te soit rendue. Bénis chacun de nos pères, bénis tout celui qui ne peut pas être Seigneur, mon Père. Ainsi, Seigneur, bien-aimé, j'abandonne aussi Frère Jess qui est encore à l'hôpital entre cette mère. En cela, nous te disons merci pour sa guérison, Père. Et merci pour tout ce que tu as accompli dans sa vie. Merci pour la victoire que tu nous as donnée, Père. Nous avons déjà cru à cette victoire, comme tu l'as dit dans ta parole. Si vous dites quelque chose et vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Nous l'avons dit, nous l'avons cru, et maintenant nous voulons l'accomplir, ma Père. Nous te disons simplement merci. Ceci montre combien tu es grand, combien tu es parfait. Laisse que tout soit pour ta gloire. Bénis toute la famille, bénis le frère Joseph, bénis la soeur Hope, bénis tous les enfants, nous les avons tous en tes saintes mains. Je pense aussi à tous nos bien-aimés, le frère Jean-Pierre, toute la famille, Père, ainsi que la soeur Clotilde, Père. Je les abandonne tous en tes saintes mains, en tous ces noms, que la gloire et la louange te soient rendues maintenant puissantes et parfaites de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un sujet que nous allons partager, que j'ai intitulé Les œuvres mortes. Le frère n'est pas là. Alors, ça sera difficile pour les anglophones. It's going to be hard for English speakers. Amen. I will try my best to explain it in English as well. I will try to do both job. This book is the book of Hebrews chapter 6. Do you have a Bible with you? Yeah. Open your Bibles, you can follow Bible verses. If you've got your phones, you can send also a message. You have your phones with you? Yeah, you can open the table. Open the table so you can follow codes, so it's going to help you your understanding. Amen. Hebrews chapter 6, verse 1. The Bible says, therefore, leaving the principles of doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not lay again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. Amen. And this will we do if God permits. Amen. So that's what I'm going to talk about today. Le frère, la Bible nous dit ici dans ce livre des Hébreux, c'est Paul qui parle. Ça, c'est un sujet qui est parmi les points du message, plus sur nous qui croyons le troisième exode que qui croyons le huitième jour. Amen. Moi, je ne voulais pas prendre les choses comme tout le monde le dit, mais je voulais prendre les choses selon le frère Branham. D'ailleurs, le frère Branham dit que un véritable croyant, c'est celui qui a la relation directe avec la parole. Amen. Si un frère dit quelque chose, c'est bien. On ne rejette pas ce que le frère dit, mais nous vérifions avec la parole. Si ça marche avec la parole, on marche avec. Si ça ne marche pas, on met de côté, on met dans la poubelle et nous, on continue. Amen. Dieu nous a envoyé un prophète. Et ce prophète-là fut l'exemple pour nous. Comme Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme moi j'ai reçu le Christ. Et le frère Branham, c'est lui qui est le prophète de cet âge. Comme Paul demanda aux gens d'être son imitateur, comme lui, il a été le Christ. En réalité, il ne demandait pas aux gens de l'imiter. Les gens imitaient au fait Christ. Mais Christ, comme on ne le voit pas, Christ est manifesté dans son peuple. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un chrétien ne doit pas être une pierre d'achoppement.
Un chrétien, c'est une lampe qu'on allume et on met sur la table. Amen. Quand on parle d'un chrétien ou d'un croyant, du message, tout le monde est dans l'expectative de voir Jésus dans cet homme. Amen. Parce que faire vraiment approcher les panneaux publicitaires. Et nous sommes les panneaux publicitaires, nous publions ou nous rendons visible ce qui est invisible. Nous sommes des panneaux indicateurs qui montrent le chemin là où les gens doivent aller. Alors si on met un panneau d'indicateur ici à Milton Keynes, montrant qu'on va à Londres et que ça tourne vers Northampton, les gens vont se retrouver à Northampton. La faute, c'est au panneau et à la personne qui a fabriqué ces panneaux. Amen. Donc le frère Branham, en tant que notre exemple, nous le suivons. Et j'ai essayé d'étudier ces passages dans la Bible et dans le message. C'est ce que je vais partager aujourd'hui. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Mon titre, ce sont les œuvres mortes. C'est Paul qui avait prononcé ce mot, les œuvres mortes. C'est quoi les œuvres mortes en fait? Les œuvres mortes, ce n'est pas ce que nous pensons être les œuvres mortes, mais les œuvres mortes sont ce que la parole dit. Amen. Verset 2, Paul dit, de la foi en Dieu, c'est-à-dire, l'œuvre morte, la foi en Dieu. C'est ce que Paul appelle l'œuvre morte. Est-ce que devons-nous abandonner la foi en Dieu? De la doctrine des baptêmes, c'est aussi une œuvre morte. Devons-nous abandonner cela? Parce que c'est une œuvre morte. De l'imposition des mains, c'est-à-dire qu'un homme qui est malade, on dit que voilà, nous sommes déjà dans le 8e jour, on n'a pas à imposer les mains. Parce que c'est une œuvre morte. Amen. La personne va mourir. De la résurrection des morts, nous croyons à la résurrection des morts. Est-ce que devons-nous arrêter de prêcher la résurrection des morts? Parce que c'est aussi parmi les œuvres mortes. Amen. Et du jugement éternel. Ça, c'est la Bible. Donc, nous avons c'est le Paul nous dit, nous avons la foi en Dieu, nous avons la doctrine des baptêmes, nous avons l'imposition des mains, nous avons la résurrection des morts et nous avons les jugements éternels. Et ces jugements éternels, c'est quoi? L'imposition des mains, c'est quoi? Nous voyons que le frère Branham, lui, il a imposé les mains et il a prié pour le malade. Et pourtant, Paul dit, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Mais voilà le frère Branham a imposé les mains. Et Paul lui-même aussi, il a imposé les mains. De la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Maintenant, je vais revenir en arrière. Ok. Les jugements éternels, c'est quoi? Je vais d'abord lire le frère Branham, ce qu'il dit dans ce passage. Le frère Branham dit ceci. J'aime quand Paul dit ces choses, Paul n'a jamais été du genre à rester très longtemps au même endroit. Donc, c'est-à-dire que les gens étaient plus restés dans ces histoires-là. Amen. Et même aujourd'hui, les gens sont plus restés dans ces histoires-là. C'est ce que Paul appelle les œuvres mortes. Fabien dit que Paul n'était pas un homme qui voulait rester au même endroit. Tout quand on vient ici, on ne parle avec de baptême, on ne parle avec de toutes ces choses-là. Non, on doit avancer vers la perfection. Quand nous allons dans la perfection,
c'est quoi la perfection? Amen. Parce que c'est ce que Paul dit. Laissant les éléments de Christ et allant à la perfection. Donc la perfection. C'est là que Paul nous envoie à la perfection. Nous devons aller à la perfection. Et c'est quoi cette perfection? Une fois qu'on a conduit, Paul n'a jamais été du genre à rester très longtemps au même endroit. Il aimait avancer vers les plus grandes profondeurs. Amen. Moi, ce que j'ai aimé dans ce message, ce sont les profondeurs. Lorsque je suis arrivé dans ce message, j'ai entendu ou écouté la parole être prêchée d'une manière que je n'ai jamais entendue. Ce qui m'avait intéressé, c'était les profondeurs. Ce qui est intéressant dans ce message, ce sont les profondeurs, n'est-ce pas, de la parole. Si je viens, je vous dis, oh frère, répondez-vous. Frère, allez vous faire baptiser, frère. Bon, ça ne vous donnera pas les salut. Ça peut vous introduire à l'église, mais je ne peux pas rester là. Combien des églises aujourd'hui ne savent pas avancer? En écoutant les autres prédicateurs, c'est comme si tu écoutais les bandes de se prêcher. Exactement la même chose. Mais où sont les profondeurs de la parole? Il dit, une fois dans l'écriture, il a dit, moi oubliant les choses qui sont du passé, je cours vers le but de la vocation, c'est le voyage. Il continue à courir vers le but. Ici, il dit, maintenant, oubliez l'enseignement élémentaire de la parole du Christ. C'est-à-dire, qui il était, ce qu'il était. Amen. Qui il est? Alors, le frère Branham nous dit que dans les 7e psaume, à l'ouverture du 7e psaume, on saura qui Dieu est. C'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ. Il dit, ce sont les notions élémentaires. Pourquoi tu appelles ça élémentaire? Oh, la divinité, le Père Branham dit que la divinité, c'est la porte ouverte à toute révélation. Mais ici, il appelle ça un enseignement élémentaire de la parole. Oui, tu peux tout avaler comme mystère. Tu peux avoir tous les mystères. Mais si la perfection n'est pas en toi, tu n'as pas atteint le but. Parce que Paul est en train de courir vers le but de la vocation céleste. Parce que le message de Frère Branham n'est pas venu pour établir les églises. Il a dit qu'il est venu pour faire les individus. Que les gens deviennent de nouvelles créatures en Christ. C'est ça le but de ce message. Construire une grande église, jolie, belle qu'elle soit, c'est bien, mais ce n'est pas ça le but. Paul ne courait pas pour ça. Paul n'a pas couru pour le but de construire des églises. Paul n'a pas couru pour le but, dans le but de baptiser les gens. Paul n'a pas couru dans le but d'exercer les ordonnances de l'église. Mais Paul a couru dans le but de la vocation céleste. Une fois dans l'écriture, il a dit, moi, vous voyez les choses qui sont du passé. J'ai couru vers le but de la vocation céleste. Voyez, il continue à courir vers le but. Ici, il dit maintenant, oubliez l'enseignement élémentaire de la parole de Christ. Qui veut dire qui il était, ce qu'il était, c'est bien. Nous avons enseigné la divinité de Jésus-Christ. Dans les églises, on a enseigné la divinité de Jésus-Christ, parfois mal enseigné. Ils ont tout mélangé, le corps et les contenus, c'est-à-dire le contenu et le contenant, ils l'ont divinisé. Et le Père nous a dit que le corps de Jésus n'était pas Dieu, parce que Dieu ne meurt pas. Mais celui qui était en Jésus, c'était le Dieu tout-puissant, la puissance qui a appelé le monde à l'existence. Celui-là ne meurt pas. Mais le corps est mort, ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est bien, mais tout ça de côté. Tendons à la perfection. Nous prononçons le jugement, frère. Le jugement éternel, nous prononçons le jugement, frère. C'est bien, mais mettons ça de côté. C'est ça que Paul dit. Les œuvres mortes, les jugements éternels, œuvres mortes. C'est le Thessaloniciens. Le dernier signe de l'âge de la Odyssée est le de la chair humaine. C'est bien. Quand il descend, il fait ces trois choses. Le cri de voix, le cri de la voix et la trompette. Et pendant qu'il descend,
C'est là que ressuscite de mort, la résurrection de mort, c'est bien, mais tout ça est côté, ce sont des éléments élémentaires, des enseignements élémentaires. Mais tendons vers la perfection. Amen. Paul dit ceci. Il dit bon, nous avons vu cela ce matin. Je sais pas si je suis dans le bon slide. Le meilleur ancien. Il dit, bon, nous avons vu cela ce matin. Comment nous sommes rendus parfaits. Amen. Dans le fait que nous dit, Paul dit, laissons tous ces éléments-là, tendons maintenant vers la perfection. Et maintenant, le frère dit, nous allons voir comment est-ce que nous sommes rendus parfaits. Absolument, sans tâche et irrépréhensible. Amen. Pas un seul péché en nous. C'est ça la perfection. La perfection, c'est être sans tâche, sans péché. Amen. Pas un seul péché. Pas un seul péché sur nous. Êtes-vous au-dessus de la tentation? Jamais. Bon. Quand on parle de la perfection, les gens pensent qu'il y aura des gens qui ne commettront point d'erreur. On a déjà parlé de perfection ici. Ce n'est pas ça la perfection. Mais c'est quoi la perfection? Parce que vous voulez y entrer. Il dit jamais, péchez-vous tous les jours. Oui, monsieur. Mais pourtant, nous avons été rendus parfaits. Vous le croyez? Nous avons été rendus parfaits. Mais nous péchons tous les jours. Le frère me dit qu'on ne s'est jamais vu. Donc les messieurs qui s'étaient devant vous ici, ce n'est pas moi. Ça, c'est ma représentation. Amen. Are you free, friends? The guy you are standing before you here is not me. We never see each other. I'm not this body. This body is not me. Me, I am the soul. Because this body is not the seed of God. The seed of God is your soul. Amen. Ce corps, c'est la semence de mon Père. Tout celui qui n'a jamais vu mon Père, voilà, il est là devant vous. Ça, c'est mon, ça, c'est mon Père. Voilà pourquoi Dieu n'a rien à voir avec la chair. Toutes ces choses-là, c'est bien, mais cela ne vous procure pas de salut. Voilà pourquoi Paul appelle ça les œuvres mortes. Amen. Parce que nous sommes en lui. Non, je réponds. Jamais. Péchez-vous tous les jours. Oui, messieurs. Mais pourtant, nous avons été rendus parfaits. Quand on dit qu'on parle de la perfection, les gens pensent que. Ils disent que non, 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 mais vous aussi, vous exagérez. Quand je pose la question aux gens, vous êtes en Christ, oui, nous sommes en Christ. Mais en Christ, il n'y a pas de péché. Celui qui est en Christ, il est parfait. En déclarant que tu es en Christ, cela veut dire que tu es parfait. Si tu n'es pas parfait, c'est que tu n'es pas en Christ. Si tu n'es pas en Christ, c'est que tu es avec les diables. Frère, on dit que there's no in between. Parce que la Odyssée était ni chaud ni froid. Et la Bible dit qu'elle a été, il a été, pardon, vomi de la bouche de Dieu. Frère, nous sommes parfaits. Ah, frère, vous êtes parfaits, comment vous commettez des erreurs? Oh, est-ce qu'en cela, je veux dire que allez-y commettre des erreurs? Non. Est-ce qu'en cela, je veux dire que vous devez commencer à marcher comme ça? Non. Le fait qu'on parle de légalisme, du légalisme et aussi de la grâce infinie, la vérité est omniprésente.
l'église que non, frère, si tu regardes comme ça là, c'est fini, tu es parti. C'est ce que les Juifs faisaient. Les Juifs étaient des gens, si on t'attrape dans le péché, on va te lapider. Ils étaient des légalistes à tel point qu'ils ne peuvent jusqu'à aujourd'hui. Quand vous voyez, je n'ai jamais vu un Juif dans les métros ou dans les trains en train de parler avec les gens. Jamais. Il a son livre, il lit comme ça. Et vous savez quoi, que un Juif ne regarde même pas les gens qui sont à côté de lui, même pas les femmes. Sanctifié jusqu'au là. Mais je te dis que quand vous voyez dans la rue là, c'est le plus grand pécheur. Les Juifs que vous voyez là à Londres, ça ce sont les plus grands pécheurs depuis le monde du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté l'expiation. C'est ça le péché. C'est nous qui croyons l'expiation. Il entre les gars. C'est ça la perfection. Amen. Les Juifs, ils sont dans les œuvres mortes. Les musulmans, ils sont dans les œuvres mortes. Avant de prier, on enlève les chaussures, on lave les pieds, on lave les oreilles. Qu'est-ce que ça a à voir avec les salut tout ça? Nous, on mange pas les porcs. T'as un monsieur qui me dit, toi tu manges les porcs, moi je dis, j'aime bien ça. Il dit, ah, mais c'est pas bien les porcs. Même la Bible, on dit de ne pas manger les porcs, moi je dis, toi tu veux ça. Ça, c'est qu'il dit. Oh, mais Jésus a jeté le mauvais esprit dans les porcs, moi je dis, ils sont tous morts. Donc le porc, c'est circulant, c'est bon. Parce que dans ma religion, il n'y a pas de loi. J'ai toujours dit, dans le message de Frère Branham, il n'y a pas de loi. Dans le message de Frère Branham, c'est l'amour. Pourquoi est-ce que Dieu donne les 10 lois? Il t'a donné la loi. Mais ne tue point. Est-ce que tuer, c'est bien? C'est pas bien. Maintenant, comme vous ne comptez pas, on doit faire sur les sacrements de loi. Mais en fait, c'est vrai, une loi, c'est l'amour. J'ai dit, par exemple, à un enfant. D'autres côtés de m'entourer. N'allez pas sur l'autoroute. Parce que là-bas, il y a des voitures, tu seras tué là-bas. Mais l'enfant ne comprend pas. Quand tu parles de l'amour, la femme demande, mais l'amour, tu sais quoi? Mais toi, tu sais que c'est un danger. Maintenant, comme l'enfant n'écoute pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Si tu vois l'enfant aller vers l'autoroute, qu'est-ce qu'il doit faire? Tu le prends, tu le gardes. Plus jamais, allez, rentre là-bas. Pour l'enfant, c'est une loi. Mais toi-même, tu sais que ce n'est pas une loi, c'est l'amour. Et quand l'enfant va entrer maintenant en connaissance, n'est-ce pas, de la chose, l'enfant comprendra que, ah, papa m'aimait. Voilà pourquoi il a fait ça. C'est pourquoi je dis que Dieu n'a pas de loi. Tout ce que Dieu nous donne, c'est l'amour. Non, non, honore ton père et ta mère. Mais les parents qui te donnent la vie, pourquoi tu vas les honorer? Même la nature te paiera. Et toutes ces choses, ce sont les lois de Moïse. Ça marche avec les Juifs. Quand nous avons changé la dispensation, Timoué était mauvais, même jusqu'aujourd'hui. C'est aussi un péché. On dit même que si tu tues, tu vas aller à l'enfer, mais je sais qu'un enfant de Dieu ne tue pas. Voler, ce n'est pas bien jusqu'aujourd'hui. Même si nous avons changé les dispensations, jusqu'aujourd'hui, faire presque ce que de l'argent, tu sais, quand même un faux pasteur. Je dis, regarde-moi le pasteur aujourd'hui. J'ai laissé mon argent là pour ça. Quand je dis, oh frère, il s'agit de l'âme. Mais quelle âme? Toi, tu vois mon argent, âme? C'est vrai. Quand je viens de plus à l'église, là, ah, frère, je le 8e jour, quel 8e jour? Pasteur, ma pauvre Israël, le 8e jour. Non, monsieur. On doit observer. Tout ça, c'est important. Tu fais une affaire avec un frère, sois honnête. Sois honnête. Tu dis, frère, prends-moi l'argent, je vais rembourser. Rembourse. Toi, tu vas prendre l'argent du frère, quand il tu vois, tu vas l'argent de venir. À mon avis. Après, dis, ah, frère, madame, qu'est-ce que c'est, frère, madame, dit. Frère, madame, j'ai mal mon devoir. Mon premier devoir, c'est de payer ma dîme. Mon deuxième devoir, c'est de payer mes dettes. Le 8e jour ne nous permet pas d'aller tuer les gens. Le 8e jour ne nous permet pas de faire la cour à la femme de ton frère. Le 8e jour ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Le 8e jour nous ramène la vie de Christ. C'est ça la perfection. Parce que nous sommes en lui. Et Dieu ne peut absolument plus nous juger. Amen. C'est ça la perfection.
Être en Christ, c'est ça la perfection. Et comment on y entre en Christ? Premièrement, on y entre par le baptême du Saint-Esprit. Il y a rien de confusion. Le baptême du Saint-Esprit, comme étant une dispensation, ça c'est du passé. Mais chaque individu passe sur l'étape. Je donne un exemple. C'est pas parce que moi je suis à l'université, c'est-à-dire qu'on doit fermer les écoles primaires parce que le prince ne doit pas aller étudier. Prince va voir à l'école primaire. Alors qu'est-ce que tu fais là-bas? L'école primaire, c'est du passé. Quel passé? C'est du passé pour moi. Mais ce n'est pas pour lui. C'est pourquoi vous voyez le frère Branham, il continue à faire ces choses. Oh, mes frères, pourquoi est-ce que le frère Branham le faisait? Il dit non, le frère Branham ne peut pas arrêter, nous-mêmes on doit comprendre. Non. On doit étudier pourquoi est-ce qu'il le faisait. Pourquoi est-ce que le frère Branham faisait? Donner aux enfants leur temps. Moi, je ne vais pas commencer à enseigner les enfants le ministère de ministère. Mais ça va leur aider en quoi? Les enfants ont besoin de la parole pour vaincre le monde. Quand ils vont vaincre le monde, et après maintenant, on va donner maintenant les choses, les substances, les gros morceaux du message. C'est étape par étape. Non, frère, sur le 8e, tout même les enfants, vous devez le conserver. Vous allez les détruire. Les foufous, ce n'est pas mauvais. Les foufous, c'est bien. Mais un bébé qui est nous, je vous donne, vous voulez tuer. Toi, tu manges ça, ça te fait du bien. Mais les bébés meurent. Parce que tu n'as pas respecté le régime du bébé. Donner aux enfants les éléments élémentaires, les Christ, ils en ont besoin. Tu vois, vous avez enfin ce qui est on baptise. Tu dis, pasteur, moi je veux me faire baptiser. Non. Arrête ça, ça ne gêne pas. Nous sommes là, le 8e. Est-ce qu'il est comment l'objet aussi? Moi je comprends. Lui ne comprend pas. Il ne peut pas me juger. Maintenant, quand il a jugé Christ, il m'a jugé. Donc, ça veut dire que les jugements. Pour les enfants de Dieu, le jugement n'existe plus. Parce que Jésus-Christ a été jugé pour nous. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes dans la victoire. Parce que Jésus-Christ a vaincu à la croix. Ça veut dire que si toi tu penses que tu n'es pas encore parfait, tu es en train maintenant de renier le travail qui a été accompli sur la croix. Sur la croix, Christ nous a rendus parfaits. Il a pris le péché. La Bible dit qu'il a payé au double de nos péchés. Ce qu'on avait fait et ce qu'on fera. Et quand on est venu dans le monde, après les calvaires, les péchés n'existent plus. Là-bas, au calvaire, c'était les rachats du monde entier. Maintenant, les rachats étaient répandus dans chaque âge. Pour nous, les gentils, c'était dans les âges de Christ. Amen. Or, ici, il y a des choses établies et citées ici. Par rapport, il y a des choses que les gens ont ajoutées, qu'ils appellent les événements. Je ne sais pas, ça sort de nous. J'ai mes idées sur toutes les choses. Il fait mal en continu. C'est quoi le jugement éternel? Maintenant, souvenez-vous, vous avez remarqué que ce mot est de nouveau employé. Nous l'avons employé ce matin. Le jugement éternel. Quand Dieu prononce quelque chose, c'est éternel. C'est ça. Or, ça aussi, c'est cité parmi les œuvres mortes. Mettez ça de côté. Or, tout ce qui est prononcé par Dieu, c'est éternel. C'est là que le frère Branham dit qu'une femme ne portera pas les vêtements d'homme. Lui-même, il dit, oh frère Branham, ça c'est l'Ancien Testament. Il dit, oui, c'est toujours valable, même aujourd'hui. C'est là qu'il était au temps de Moïse. Au temps de Jésus, la femme ne portait pas les vêtements des hommes. C'est passé. Nous sortons au temps de Jésus, nous entrons, même dans les troisième épisode, ça reste valable. La femme ne prêchait pas. Dieu ne permet pas la femme de pécher. De prêcher par oui, parce que si nous suivons les conséquences dans ce sens-là, vous allez remettre la femme à la chair. Parce qu'Adam est déjà restauré, mais Ève aussi est restaurée. C'est la chute qui avait destitué Ève. Dieu autre chair. Amen. Mais vous allez remarquer, même avant la chute, Ève ne prêchait pas. C'est Adam qui était le prédicateur. Là, elle pouvait aussi parler, mais après la chute, elle ne pouvait pas. Même après les rétablissements, la femme ne monte pas ici. Sa place n'est pas ici. Même si elle prononce le mystère, tant qu'une femme monte ici, elle donne la mort. Amen. Pas les femmes, Dieu la
notre chair, mais après le retour du jour. Ça a été réservé aux hommes. Pourquoi seulement les hommes? Oh, vous les hommes, c'est la discrimination. Le mot discrimination, ça c'est satanique. Dieu, c'est un ségrégationniste, il sépare. Dieu n'aime pas le mélange. Un homme comme Luther, Martin Luther aux États-Unis. Martin Luther qui? Tout le monde l'apprécie. Oh, mais Martin Luther qui est un grand homme. Mais le fait de l'homme dit que c'est le pire homme que je n'ai jamais vu. Pourquoi? Il dit parce qu'il a amené son peuple à l'abattoir. Il dit qu'il voulait que le peuple noir puisse se présenter avec le peuple blanc. Il dit pourquoi? Le peuple blanc, ils sont, les peuples blancs, ils sont déjà plus bas dans la gloire. Il dit, je ne voulais pas que cette race bénie de moi puisse se manger avec les blancs. Mais regardez bien ce que les noirs sont devenus aux États-Unis. C'est pire. Or, ils avaient une bonne vie. Mais quand ils se sont blessés le complexe, ils étaient complexés. Quand tu es noir, tu es complexé. Ils pensaient que le blanc était là. Non, il voulait se dégager. Il dit, ils se dégageaient encore. Ils étaient déjà américains. Ils avaient le même passeport que les Américains. Et ça allait comme ça. Et lorsque Luther a commencé le mouvement, les gens l'ont suivi, on les a massacrés. Il dit voilà, il a appelé son peuple à la toile. Et jusqu'aujourd'hui, ça ce n'est pas un pari gagné. Jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des racines aux États-Unis. Les morts, les noirs sont toujours tués, il n'y a pas d'ailleurs. Ça ne servait à rien. Or, les noirs étaient des gens spirituels. Il y a quelque chose de spécial que Dieu a mis dans cette race noire. Aux États-Unis, pour que les gens puissent écouter la parole, tu dois accomplir beaucoup de miracles. Il dit, mais les noirs, dès qu'ils se trouvent comme ça, c'est fini, ça sert à rien. Aux États-Unis, il y avait des gens qui étaient guéris, mais pas beaucoup. Mais une fois en Afrique du Sud là-bas, 12 remorques de béquilles. Rien que la prédication de l'évangile, pas les lignes de prière, la prédication de l'évangile, les paralytiques commençaient à manger, ils disent, voilà les peuples noirs. Ils ont quelque chose de spécial. Ça, c'est pas moi, c'est une citation. Et le frère Barabé dit que l'homme là c'est un élégant. C'est une citation, les frères blancs aussi doivent lire ça. Ah oui. L'homme là c'est un élégant. Partout où il va, il amène les péchés avec lui. Qui nous a fabriqué le whisky? L'homme noir a fabriqué le whisky. L'homme noir c'était seulement le fait des parents. Naturel. Mais l'homme là est venu nous fabriquer des cigarettes. La cigarette là, frère, la cigarette c'est la mort. Même si c'est la Bible, tout m'a permis, mais tout n'est pas ici. La cigarette, il y a le bouton dedans, il y a tout. Le fait dit, on a fait une expérience, on met une souris dans une boîte comme ça, on la ferme dedans. On injecte la fumée dedans, quelques minutes après la souris meurt. Il dit, voilà comment est-ce que les gens se tuent. Et ils ont fait ça, un business, le business de la mort. Maintenant, moi, je lui dis que bon, ce n'est plus. La chair, je vais acheter la cigarette et vendre la mort aux gens. Non. Frère, avant de remarquer ces mots et de nouveau employés, nous l'avons employé ce matin, les jugements éternels. Quand Dieu prononce quelque chose, c'est éternel. Cela ne peut absolument pas être changé. Donc, le jugement est éternel. Et c'est toujours le jugement. Et quelle que soit la génération dans laquelle nous vivions, une génération vivra, une loi vivra. Et elle s'appliquera pour toujours, ou pour une certaine durée, et ceci et cela. Mais le jugement de Dieu reste toujours éternel. Amen. Le jugement de Dieu reste éternel. Depuis qu'il a dit à Moïse, tu ne tueras point, jusqu'à aujourd'hui. Quand Jésus est venu, Jésus dit, non, si tu regardes ton frère, si tu parles du mal de ton frère, ça c'est le tuer. Mais cela ne veut pas dire, ok, comme c'est seulement regardé, alors tu peux tuer maintenant physiquement. Non. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. De Moïse, la loi de Moïse reste aussi valable. D'ailleurs, Jésus l'a amplifié. Si tu ne regardes pas ton frère avec un mauvais œil, tu ne le regardes pas pour l'aïr, mais tu auras le courage de tuer. Parce que tout commence dans la pensée. Jésus a attaqué le péché au niveau de la sémence. Ce qui veut dire que le corps exécutera plus. La loi de Moïse, c'était le corps, mais Jésus est entré dans la sémence. C'est pourquoi nous attaquons les péchés au niveau de sémence. Nous regardons les enfants. Nous disons attention les enfants. Be careful in the schools. They are teaching bad things.
Homosexuality, men and men can get married, is against the word of God. You just go and sit down. When they're teaching those test things, just watch them. Don't believe it. Don't understand. It's a fighting in your mind. When you go to school, the only thing you're doing there is to study, to succeed, listen. To do something in your life and to have a good job, which is going to give you good money. That's it. Friends, everybody in the school, that's not your business. Only ask God, let's smoke a little bit. Say, no, thank you. I'm not here to smoke. I'm here to study. Amen. Are you with me, friends? Let's go. Boyfriend and girlfriend said, no, we don't believe in that. We are message believers. I shout to my parents. I don't care. I shout to my mom. Say, no, we don't do it. The Bible says, honor your father and your mother. Don't do it. It's not because we believe the message is about the soul, so we can do whatever we want. No. La loi, toutes les lois de Moïse, tous les 10 commandements de Moïse, ça reste aussi valable jusqu'aujourd'hui. Mais Jésus a ajouté, il a amplifié cela. Tu dis, ok, bon, moi je garde les lois de Moïse parce que c'est ce qu'il nous faut pour être sauvé. Là, ce sont les œuvres mortes. Tu n'arrives pas à me dire que Paul était un homme qui ne voulait pas s'arrêter à un endroit. Il avançait. Le fait qu'on continue. Il dit, et ça s'appliquera toujours et pour une certaine durée, et ceci ou cela. Mais le jugement de Dieu reste toujours éternel. Et il doit forcément le maintenir parce qu'il a prononcé la parole. Quand Dieu prononce une parole, elle doit fermer, forcément être éternelle. C'est vrai. Amen. Oui. Il y a des promesses qui sont accomplies. Dieu avait promis, cela est déjà accompli. Mais il y a des choses qui restent, qui ne changent pas. Fais-moi une décision. Maintenant, si vous pouviez retenir ça, c'est ce qu'il a dit là, c'est que les réformes produisent la mort. Paul a dit, les 100 enseignements élémentaires allaient vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu. Doctrine de baptême, imposition de main, résurrection de mort, jugement éternel. Des réformes produisant la mort. Amen. Donc ça veut dire que si on reste là, on dit que, oh frère, on ne parle que de ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils ne veulent pas avancer. Ils viennent avec des histoires telles que, non frère, dans les messages aujourd'hui, les chantres font des clips. Donnez-moi une citation où le frère Benoît interdit les clips. Ça n'existe pas. Frère, les concepts. Il y a des situations, les frères Barnabas disent que les frères étaient pas jouer les concerts, allez-y là-bas. Ils ont été demandés le concert. Les gens veulent nous amener les messages du Congo ici. Moi, je veux qu'il parmi les frères, les choses n'existent pas. Vous crucifiez le frère. C'est vrai que les autres, ils le font mal. Mais ne généralisez pas. Il y a un frère même qui a dit que le premier chant au ciel, c'était Lucifer. Mais ça, c'est faux. Lucifer a chanté où? La Bible dit. Où on a posé la question à Job, où étais-tu pendant que les étoiles du matin chantaient dans l'allégresse? Avant même la fondation du monde, les chants existaient. Les pasteurs n'étaient pas là, mais les chants étaient là. Frère, on dit que quand vous allez traverser de l'autre côté, si vous écoutez quelqu'un chanter Amazing Grace, ça sera bon. Et où les gens avaient le chant? Si tu vois ton frère dans l'erreur, mais prie pour lui. Vous êtes en train d'échapper, parlez de la vie du Seigneur, vos limites et vos kibas. Bonjour là. Parlez de ce qui est parfait. Les choses profondes. Jésus est venu ou pas? Parlez de ça. Luc 17, 30.
Parlons de ça. Après l'ouverture des sceaux, nous entrons dans le huitième jour. Parlons de ça. Il y a plus de Ah oui. Mais les gens, non, frère, aujourd'hui, personne ne prêche seulement frère Branham. Non. Nous, on prêche. Le frère Branham dit que je serai un piètre sujet. S'il y a quelqu'un qui prêche. Il dit que les gens, depuis pour eux, viendront. Et pendant ces choses, ils prêcheront avec les photos. Vous allez faire le coup. On est là. Le frère Branham me dit que les sceaux ne sont pas ouverts dans les âges d'église. C'est en dehors des âges. Et ce qui clôture l'âge de la Odyssée, c'est l'enlèvement. Bon, toi tu changes l'enlèvement après le saut, Zomba. C'est que les gens te font, ça c'est pas ton problème, laissez-les. Oh non, les filles portent les pantalons, comment, les jupes. Ça c'est une affaire du pasteur de l'église là. Laissez le pasteur là traiter ça. Tu n'as pas à venir sur internet mettre les choses, oh non, laissez. Mais toi tu es le pasteur de l'église. C'est pas ton problème, c'est le pasteur qui règle. S'il y a quelque chose dans ma maison, c'est moi qui règle. Ça te sert à quoi de dire que ah, les enfants de frère Eric, les enfants de frère Frère, ça sert à quoi? Ah, la sœur là, on l'a vu, la sœur là sur Facebook, elle a mis les potes. Et alors, on dit qu'il est permis. Donc on doit être balancé. Aujourd'hui, on nous a donné le message du Congo. Et les gens disaient, mais parce que là-bas, qui ont martelé contre la télévision, martelé. On est parti chez nous, on a trouvé la télé, on va piquer la crise. On est parti là-bas, et on a trouvé l'écran. On dit, ah, alors. Les femmes ont dit que la télévision serait une bénédiction si cela était bien utilisé. Alors, si je l'utilise mieux, c'est la même bénédiction. Vous prenez la citation, vous jetez dans l'eau, mais il y a la femme disait que s'il avait infusé la lecture sur ça, oui, parce qu'il y avait des mauvais programmes. Moi, je suis rempli de l'esprit de Dieu. Et je sais quoi faire. De toute façon, vous ne pouvez pas échapper à la télévision. Parce que sur votre programme, vous en avez. Yes. Sur l'ordinateur, c'est une télé. La télévision, elle ne devait pas la télé parce que c'est grand comme ça dans la maison. Non, même les petits comme ça, c'est une télé. Yes. Bon, qui me l'a. Ta main, c'est qui est parfait. Parlons du huitième jour. Amen. Parlons des choses essentielles. Nous sommes déjà sortis de là. Parlons des choses essentielles. Pas le message du Congo là. Moi, je dis, on n'est pas au Congo ici. Les femmes ont dit, tout ça, l'imposition des mains, le jugement éternel, il dit, des réformes produisant la mort. Le mot exact, c'était ça. On est là tout du débat. Frère Branham dit comment on va baptiser en arrière, disait devant, en arrière, de côté. On veut le faire. Du fils de Saint-Esprit, Frère Branham dit ça, ce sont des faux débats. Ta mort, c'est qui est parfait. On n'est pas terminé dans le débat du nom de baptême. Non. C'est bien, nous savons que le baptême, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. On s'arrête pas là. On avance. Non, frère, nous attendons. Comment est-ce que le Seigneur a pu faire? Ta grande assiette est parfait. Et le parfait, c'est la paix des fêtes. C'est la nuée qui est. La nuée a amené quoi? La nuée a amené la révélation des sept sceaux. Et la nuée qui est descendue, ça nous ramène, n'est-ce pas, la divinité. Parce que la nuée là, c'est cette nuée là qui se promène avec les enfants d'Israël. On a vu la colonne de feu revenir dans le camp. On voit la nuée descendre. Cette nuée, c'est ça notre perfection. Et quand on entre là, c'est là où on découvre qui on est. C'est exactement ça que Paul écrit. Vous voyez ce qu'il essaie de faire. Les femmes ont dit. Et à l'imposition des mains, Dieu soit béni. J'ai reçu le don de l'imposition des mains. Alléluia. Vous pouvez le recevoir comme ceci. Alléluia. Laissant tout cela de côté. Quand même l'évangélisation. Docteur Jésus, c'est bien. Mais ce sont les œuvres mortes. Ah oui, c'est bien. On a vu dans les églises, pas d'autres, c'est les gens.
le lendemain, comme là. Jésus délivre. Délivrance. Bim. Ma guérie. Quand il dit la guérie, ça dit qu'il est parti parmi ses amis. Cet ordre a donné la barre au secours. Et la situation de la personne sera pire. Nous, on a vu des gens. Hey, vraiment, on a fait la délivrance. On ne fait pas la délivrance. C'est la parole qui délivre. Amen. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Frère, on a dit la grâce, c'est quoi? La grâce, ce n'est pas l'abolition de la loi. Non. Frère, on a dit la grâce, c'est quoi? Ici, on dit qu'on doit rouler à 30 miles. Quand tu n'es pas, tu ne sais pas, toi tu roules au-delà de 30 miles, tu es dans la disgrâce. Et si on te dit que ici c'est 30 miles, tu te confondes à cette. Frère, madame, c'est ça la grâce. C'est pourquoi quand le frère madame est venu, à la maison de la terre, il dit que. Il dit que non pas la disgrâce, mais la grâce est blessée. Amen. Frère Madame dit. Alléluia. Vous pouvez rester pas comme ceci. Alléluia. Laissez tout ça de côté parce que ce sont des œuvres mortes. C'est réforme, réformé. C'est réforme, réformé. Il parle d'une autre catégorie. Maintenant, il dit, éloignons-nous de cela et avançons vers la paix. La voix du ciel. Tu guéris le malade. Et après. Parce que les gens viennent l'autre. Seigneur, on a guéri le malade à ton nom. On a ressuscité le mort. Et loin de moi, je ne sais pas connu. La guérison. Un homme qui a l'air de la guérison, cela ne veut pas dire qu'il a dit. Rien à voir, frère. Rien à voir. C'est les œuvres mortes. Vous avez reçu l'église parce que le monsieur là, il a la guérison de la guérison. Mais il va guérir le corps, mais le corps finira par mourir. Le pauvre Lazare, une fois, je parlais avec ma soeur, elle me dit, oh non, mais ce ami, tu n'as pas vainqueur. Mais ce photo, ton bon mal à vie, photo bon. Moi, je dis, comment on va se faire le vainqueur? Moi, je dis, pauvre Lazare. Pauvre durant toute sa vie. Moi, je ne dis pas qu'il faut être pauvre. Mais pauvre Lazare, durant toute sa vie, pauvre. Mais il avait Dieu. Donc, ça dit aujourd'hui, ce n'est pas. Cela ne veut pas dire que tu as Dieu avec toi. Non. Aujourd'hui, les personnes sont calculées par rapport au Dieu privé. Amen. Si tu es béni, c'est Dieu qui t'a béni. Amen. Mais si tu fais ça avec le business mesquin là, Dieu te voit. Laissez tout cela de côté. Parce que ce sont des œuvres mortes. C'est réforme, réformé. Vous voyez? Il parle d'une autre catégorie. Maintenant, il dit éloignez-vous de cela. Et avancez vers la perfection. Vous saisissez? C'est lui qui le frère maintenant. Je veux que le frère maintenant puisse nous amener à la perfection. Les gens sont prêts. Et l'Église s'attend encore à ces choses-là, malheureusement. Malheureusement. On ne donne pas la substance aux gens. L'Église primitive des Hébreux, ils essayaient de dire, eh bien, j'ai été baptisé par immersion et j'ai reçu ceci. Et ceci, et toutes ces choses. Il a dit, maintenant, laissez tout cela de côté. Laissez de cela derrière vous. Mais bon, est-ce qu'il a dit que nous ne devons pas faire ces choses? C'est ça le problème. D'ailleurs, nous allons poser la question. Laissez cela de côté. Est-ce que cela veut dire que nous ne devons plus faire ces choses? C'est une question. Les femmes ont dit, maintenant, écoutez ce qu'il dit à ce sujet. Qu'est-ce que Paul dit? C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Parce que le jugement éternel doit être prêché. Quand je sais que vous avez avalé l'iniquité, je sais que vous êtes déjà arrivé dans la perfection. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à prononcer le jugement. Le pharaon nous conduit. Il dit, nous allons voir si on le peut, oui ou non. La parole de Dieu est vraie, n'est-ce pas? L'Assemblée dit Amen. C'est Hébreux 6.1. C'est pourquoi les saints éléments de la parole de Christ t'amenant à ce qui est parfait. Ça posait un fondement du renoncement des êtres morts et de la foi en Dieu. De la doctrine du baptême, de l'imposition des mains,
de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Voyez-vous, Paul veut reconnaître que ces choses-là sont absolument essentielles. Les baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection, la seconde venue même. Toutes ces choses sont éternelles. Elles sont la vérité absolue. Je vois pas dire, devons-nous laisser tout seul? Non. Mais le problème, c'est que les gens s'arrêtent dans ça. C'est là que ça devient la mort. C'est ce que fait Mme Piquet. Un croyant qui est rempli du Saint-Esprit aimerait bien aller à l'église et adorer le Seigneur. On va arrêter bientôt. En 15 minutes. Entrer et adorer le Seigneur. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit de Dieu. Mais il dit aussi que l'église est devenue l'ennemi de Dieu. Parce que c'est pas vraiment que c'est le plus grand rideau redoutable, la religion. Est-ce qu'enseigner le frère Madame dit qu'on ne peut plus aller à l'église? Non. De l'église, aller à Christ. C'est ça que j'ai toujours dit aux enfants. Children, you must build yourself in relationship with God. Don't make yourself church members. Être membre d'une église, membre d'église. Pas membre d'une église, mais membre d'église. Le frère Branham dit que c'est une œuvre morte. Quand vous vous arrêtez à ça simplement, ça devient une œuvre morte. Voyez-vous, Paul veut reconnaître que ces choses-là sont absolument essentielles. Le baptême, l'imposition de main, la résurrection, la seconde venue. Toutes ces choses sont éternelles. Elles sont la vérité absolue. Est-ce qu'on va seulement prêcher la seconde venue, la seconde venue, la seconde venue, la seconde venue? Pendant que les gens n'ont pas la perfection. La perfection, c'est entrer dans la personne de Christ. C'est ce qu'on appelle la perfection. C'est pourquoi le frère dit que les sujets de la prédestination, on ne prêche pas dans une église qui n'est pas mature. Parce que si vous prêchez dans une église qui est mature, vous commencez à m'attendre au ça. Quand l'homme vous pose, oh, frère, c'est pas prédestination de toutes les façons, même si, j'essaierai de sauver. Donc je vais faire tout ce que je fais maintenant. L'autre va dire, moi, c'est fini. Même si je fais quoi, je serai plus sauvé. Il va repartir dans le monde. Pendant que c'est l'enfant de Dieu. Et le frère va lui dire, un enfant de Dieu qui marche mal, Dieu le retire. Mais il ne sera jamais perdu. On dit pas que parce que c'est lui qui a fait ça. Il fait de mauvaises choses que ce n'est pas un enfant de Dieu. Non. C'est d'abord la parole. La personne d'abord ne reçoit pas la parole. C'est la personne qui reçoit la parole à ce moment dit que c'est une enfant de Dieu. Frère Branham dit que les Juifs étaient des gens qui vivaient bien. Mais comment ils ont péché? Ils ont rejeté la parole promise de leur temps. C'est ça le péché. Ils se sont conformés aux réformes de l'Église. Ils étaient les bons membres de l'Église. Faisaient les rituels, respectaient la loi de Moïse à la lettre, frère. Même la loi de Moïse, si vous en avez et que vous refusez Jésus, c'est une œuvre morte. Mais tu peux, frère, madame, tu peux être honnête, sincère. Depuis que tu es né, tu n'as jamais volé dans ta vie. Tu n'as jamais menti. Tu n'as jamais escroqué. Frère, quand vous mourrez, vous finissez en enfer. Frère, si la bonté suffisait pour donner les gens au ciel, Jésus ne mourrait pas la croix. Être méchant, ce n'est pas être gentil, ce n'est pas donner l'argent aux gens. Un méchant, c'est celui qui ne veut pas écouter quoi la parole. J'ai parlé avec le frère. Je dis que si vous voyez les professeurs qui quittent la scène, conseil gratuit, n'attendez plus Jésus. Parce qu'il n'y a personne qui va vous le présenter. Ils ont dit, non, mais si c'est comme ça, pourquoi est-ce que vous avez l'église alors? Oh, est-ce qu'on vous a dit que quand Jésus vient dans l'église, il n'y aura plus d'église? Moi, je dis, non, on est là pour juger. Il dit, mais pour qu'est-ce que vous attendez? Nous commençons à juger, non? Moi, je dis, mais comme tu es là, tu es à juger. Tu vois les jugements qui sont dans la tête. Je pense que nous allons nous asseoir quelque part là pour juger. Non. Les jugements, c'est que tu vois, quand Jésus est venu là-bas, les pierres ont jugé ces gens. Quand Pierre a dit,
Maintenant, c'est là que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. C'est un grand mot. Et il faut vous dire simplement que Jésus-Christ a fini sa course dans le lieu de mon frère. Mais le jugement pour Dieu a rien. Même les frères du message. Et dans l'église, nous chantons, c'est la fin de la course. Ah! Père, c'est la fin de la course. À l'ouest, le soleil se couche. Oh, mais finalement, vous savez les choses que vous ne comprenez pas. Et les frères même chantent beaucoup de cantiques ont été chargés en français. Les francophones sont terribles. Le frère quand il chante, Alléluia, Alléluia, bye bye. Alléluia, qu'est-ce qu'il dit? When I die, Alléluia, bye bye. Ah, fly away. When did you fly away? Tu t'en vas au cas. Quand vous mourrez, c'est ce que le frère chante, le frère va nous chanter. Vous prenez ça en français, vous dites Alléluia, tout à l'heure. Ça, c'est l'incrédulité. On doit remettre ça comme c'était. Ils ont essayé de comprendre le message selon leur cerveau. C'est ça le péché. Avant, en fait, le message ne veut rien dire. Et même à la croix, la chanson à la croix, quand mon âme enlevée, ma rapture soul, chauffe femme, peace, and rest. C'est ça le chant, n'est-ce pas, frère? My raptured soul, mon âme enlevée. Vous dites que quand je serai dans le corps, mais vous allez dans le corps. Les gens n'entrent pas dans la perfection. Ils sont dans les réformes charnelles. La concurrence des constructeurs des églises, c'est la mort. Des débats, mais c'est quoi qui t'a baptisé, non? Oh non, toi tu m'as baptisé, tu sais quoi? Toi tu m'as baptisé, oui. Tu m'as baptisé quoi? Je ne me souviens plus. Ah, tu vois? Les œuvres mortes. Vous allez pouvoir organiser tout un débat sur ça. J'ai baptisé un tel, ça fait quoi? Pendant que la parole a avancé, vous êtes là, oh le jeune, le là, quel jeune? C'est la parole des frères Branham qui est vraiment péché. T'as rendu la perfection. Amen. Il faut vous dire. Et le texte original dit la même chose. Ceci, c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Voyez ceci, c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Les baptêmes, les positions de main et tout ça. Mais ça, ce n'est pas parfait. C'est pourquoi on ne reste pas là. Frère, le frère m'a dit, on peut te baptiser. Vous pensez que tout le monde qui a été baptisé ira au ciel? Non. Ce sont des réformes charnelles. La seule chose qui sauve l'homme, c'est Christ dans ton cœur. C'est ça la perfection, frère. Et tu peux même dire que celui qui a Christ dans son cœur, il croira à toute la parole. On n'a pas Christ dans le cœur parce qu'on est déclaré. Non, on croit Christ parce qu'on a toute la parole. Si on dit que la colonne de feu s'est présentée à Paul, que je suis Jésus que tu persécutes. Si nous disons, vous voyez la même colonne de feu, descend ici. Si ça se présente devant moi. Quand tu penses que la colonne va changer le nom, ça veut dire que Jésus que tu persécutes. Mais quand on te dit que c'est Jésus qui est descendu, qui est dit, ah frère, pas d'autre, tu n'as pas Christ en toi. Vous êtes dans les réformes charnelles, les œuvres mortes de l'Église. C'est ce que nous ferons. C'est seulement les réformes charnelles. Et c'est là que les Églises s'arrêtent aujourd'hui. C'est à cette réforme charnelle. L'un d'elles dit, oh eh bien, l'eau de mon baptême, ça veut dire ceci et ça veut dire cela. De ça, c'est mon chef, il veut qu'on jure. Ils établissent des organisations. L'une asperge, l'autre verse de l'eau. L'autre baptise vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Et toutes ces choses, certaines imposent les mains aux malades, certaines font des apôtres et certaines font des prophètes. Et tout, par l'imposition des mains. Et elle prêche la résurrection d'entre les morts. Et ce qui est bien. Et la divinité suprême de Christ, c'est bien. Mais il a dit, toutes ces choses sont des réformes au niveau des formes. Qu'est-ce qu'il y a des réformes au niveau des formes?
Il dit que c'est quoi? Par une question, il prêche la résurrection d'entre les morts. Et c'est ce qui est bien. Et la divinité suprême de Jésus, de Christ. C'est bien. Mais il a dit, toutes ces choses sont des réformes au niveau forme, au niveau de forme. C'est bien. Mais le problème, c'est que ce n'est pas que tu connais Jésus. Le problème, c'est que tu dois devenir Jésus. Parce que dans la parole, il s'agit de nous. Mais Pierre, quand il était avec Jésus, n'est-ce pas Pierre, il avait dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé. Paul avait, Pierre, pardon, avait déjà la révélation de Jésus. Mais avant de partir, Jésus dit, Pierre, quand tu seras converti, convertis aussi tes frères. Mais il y avait la révélation. Avant la révélation, ce n'est pas être converti. La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et toi, mon ami, que si vous avez Christ en vous, vous ne pouvez pas nier la parole. Les gens n'ont même pas de vidéo. Comme ce frère-là, je lui dis que, oh, il dit que non, les septième sceaux, ce n'est pas encore révélé. Moi, je dis, les septième sceaux, c'est la chose qui avait ouvert de tous les sceaux. Donc, si tu as le premier sceau, cela veut dire que les septième sceaux sont déjà ouverts. Oh non, le frère lui-même me dit, ok, qu'il laisse cette attention sur le montagne. Le frère dit que c'est Jésus qui s'était là, nous regarda. C'est Dieu qui a accomplissé la parole d'Apocalypse, chapitre 10, 1 à 7. J'ai envoyé, il regarde. Non, nous attendons. On dit, alors vraiment, c'est fini. Ça ne sert à rien. Ils sont dans les réformes de l'église parce que son pasteur a dit que le septième sceau n'est pas encore révélé. Pourquoi il dit, si vous croyez le septième sceau, cela veut dire que vous devez arrêter d'aller à l'église. Mais nous n'allons pas à l'église, nous allons à la fête. Parce que c'est la fête de convocation. Nous allons au jugement. C'est ça. Des fois, on dit là où les gens s'éduisent comme ça, c'est une église. Nous sommes l'église dans l'essence des gens, les semences prédestinées qui sont mises ensemble. Mais pas l'essence des appelés à sortir. Parce que nous, on est plus appelés à sortir. Nous, on est déjà sortis à longtemps. Mais frère, quand je n'étais pas là, je n'ai pas besoin d'être là. C'est par représentation que ça se fait. Et c'est quand j'étais mort la fois, moi, j'étais là. Quand j'étais comme ça, je. Quand tu lis la Bible, tu dois croire. J'ai payé au double de tes péchés. Dis Amen. Frère Branham, quand vous lisez ça, vous mettez votre propre nom. Il est mort pour passer meurtrissier, je suis guéri. Moi, j'ai lu passer meurtrissier, Eric est guéri. J'ai payé au double de mes péchés. Il a payé le double des péchés d'Eric. Tu mets ton nom là-dedans. C'est comme ça. Dieu n'a pas besoin de payer. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Une seule personne est tombée, c'est une seule personne qui est relevée. Et pour la mémoire, on n'a pas besoin de beaucoup de gens. Une seule personne peut être enlevée. Et lui, il va transmettre aux autres. Moi, je suis venu à l'homme, je suis venu seul. Les gens pouvaient voir, ah, Eric monte sur la fleur. Mais quand j'ai monté là, j'avais Priscille, Erika, Vicky, tout cela, le mystère. Et quand je trouve la femme qui est française, le mystère venait révéler le développement de son nom. La seule française, c'est le septième sceau qui a révélé tout le mystère. Amen. Quand vous voyez, ce que vous voyez, ce n'est pas. C'est vrai que vous dites que c'est ça la réalité. Non. C'est ce que j'ai dit, je disais. Il y a des enfants comme ça qu'on a vu voyager. Vous appelez un enfant qui vient de l'Afrique. Vous pensez que vous avez appelé une personne. Or, vous avez appelé deux personnes. L'autre était dans le ventre. Quand la femme est arrivée comme ça, déjà en conseil. Moi, dans une visite militaire, à profiter. Donc, ce n'est pas représentation. Les frères ont compris ça. Lorsque moi, je suis déjà britannique, tous les enfants qui naissent derrière moi n'ont plus besoin d'aller faire
le cure va au fils. Ils sont britanniques au fils. Pourquoi? Parce que le prix a déjà été payé par leur père. Ils n'ont pas de force. Mes enfants n'ont pas d'origine britannique. Et ils n'ont pas de temps par la britannique. Mais par moi, ils sont tous sauvés. Donc moi, j'ai payé tous les prix. J'ai souffert, j'ai dérouillé, ma chère, tout, tout, tout. Mais quand les enfants viennent comme ça, ils constatent seulement que, oh, c'est déjà. Nous aussi, c'est pareil. Christ est notre perfection. Il est mort, il est ressuscité. Quand il est venu, nous entrons, nous sommes parfaits. Les femmes vont nous dire, est-ce qu'on peut plus commettre des péchés? Non, vous allez commettre des péchés. Mais vous êtes parfaits. Et le monde, la créature de la terre attend la manifestation du Fils de Dieu. Ça, c'est le passé. Dieu aura une église, sans tâche, ni rien, ni rien du principe. Quand on dit ça, les gens pensent que les gens ont commencé à marcher comme des choses comme ça. Oh, déjà, la promesse est déjà accomplie. Je vais commettre des erreurs, mais déjà parfait. C'est la parole qui me déclare. Parce que si, que j'ai toujours dit, si c'est vraiment par les œuvres que nous produisons, personne ne sera sauvé, frère. Toi, tu vas produire quoi? Les anges qui étaient là-bas, les anges qui n'ont jamais connu le monde, qui n'ont jamais connu la chair, les anges là avaient trois paires des ailes. Trois paires des ailes. Ils se couvraient les yeux, les autres pour se voler et les autres pour couvrir les pieds. Il dit la révérence devant un Dieu si saint, vous ne pouvez pas vous tenir. Et moi, avec, d'abord je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, mais je serai sauvé comment? Quelle œuvre je vais produire? Il ne s'agit pas des œuvres que j'ai fait. Il dit, j'ai été sauvé par la grâce. Il dit, les œuvres, c'est ce que j'ai fait pour lui. Il dit, si vous êtes sauvé par les œuvres, les sacrifices de la croix de l'homme. Il a payé le prix, c'est fini. Et il nous a introduit dans la perfection. Amen. Je vais m'arrêter ici pour ce moment. Je vais prendre le temps par mon père, le baptême. Pour toutes ces choses-là, on examine avec la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. I'm gonna make it right.
Que le Seigneur bénisse sa vie et la paix du Seigneur.